Amen. Alléluia. Si tu étais de ma délégation pour San Pedro, viens devant. Dieu est descendu à San Pedro. God came down in San Pedro. J'avais promis que les nouvelles seront données ici ce soir. I had promised that the news will be given here tonight. Comme j'avais dit aux frères, as I told the brethren, on devait enseigner sur la foi et l'entrée dans le dessein de Dieu. We were to teach on faith and the entrance into the purposes of God. Quand je voulais commencer la méditation sur le thème, when I was about to start the meditation on the theme, le Seigneur m'a dit qu'on n'entre pas dans mon dessein. The Lord told me, we never enter my purposes. Il dit, c'est lui-même qui établit les gens dans son dessein. He rather said, he is the one who establishes people in his purposes. Et c'est ça le fondement du principe doctrinal de la grâce. This is the foundation of the doctrinal principle of the grace. Dieu voulait que je comprenne qu'on ne se débrouille pas pour trouver Dieu. God wanted me to understand that we don't try our utmost to find God. Dieu vient nous rencontrer. But God, he himself comes to encounter us. L'histoire retiendra toujours que c'est Dieu qui est toujours venu vers l'homme. History will always retain that it's always God who came to encounter man. C'est lui qui a créé l'homme. He is the one who created the human being. Quand l'homme a péché, and the human being sinned, sa première chose était de fuir et se cacher. And his first thing was to flee and go and hide. Dieu est venu le chercher. God came to seek him. Christ est venu. Christ came. Il a dit à ses apôtres, he told his apostles, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. You did not choose me. C'est moi qui vous ai choisi. Rather, I chose you. Et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. And I established you so that you could go and bear fruits. J'ai compris que Dieu venait de me délivrer d'une fausse doctrine. I understood that God had just delivered me from a false doctrine. Et au-delà de ça, but beyond that, Dieu me montrait par là qui sera à San Pedro. God was showing me that he would be at San Pedro. C'est pour cette raison qu'il corrigeait lui-même parce qu'il devait être là. There's a reason why he started bringing all these corrections because he himself was to be around. Il m'a montré comment il a choisi Abraham. He showed me how he chose Abraham. Abraham était avec des idolâtres. Lui-même était idolâtre. He was with idolaters. He himself was an idolater. Dieu est parti le chercher. God went and took him. L'a séparé de sa famille. Separated him from his family. Sa patrie et son pays. His land and his countrymen. Et lui donne un territoire qu'il n'avait jamais vu. And gave him a territory he had never seen before. Avec des promesses sûres. With sure promises. Et à travers une alliance même. Through a covenant. Pour qu'Abraham sache que ça allait s'accomplir même sur ses descendants. So that Abraham could understand to believe that it will get accomplished even on his four children. Dieu nous a montré que Abraham dont on parle là, c'était un homme faible aussi comme toi et moi. And God also showed us that Abraham, the Abraham we talk about, was a man who was feeble. Quand Dieu l'a appelé, when God took him, he caught him. Dieu n'a pas appelé sa famille, Dieu l'a appelé. God called Abraham, but not his family. Mais il n'a pas pu se séparer de ses parents. But he was not able to separate from his family. C'est son père qui a même dirigé la première marche. It is his father who even led the first walk. Son père l'a pris et a pris les autres membres. Ils sont partis, ils se sont arrêtés à Charan. His father took him and the other family members and they went and stopped at Charan. Dieu n'a pas appelé, il a appelé Abraham seul. God called Abraham alone. Abraham a pris sa famille. But Abraham took his family. Et son père a pris l'autorité. And his father took the authority. Quand son père est mort, when his father died, Dieu l'a visité. God visited him. Dieu est revenu lui dit, quitte, va là où je vais te montrer. He came and told him, leave this place and go to the place I will show you. Il a pris Lot. He took Lot. Pour la deuxième fois là, il a pris encore un autre membre de famille. He took Lot along for the second time. Son bonheur est venu quand ils se sont séparés.
His happiness came when they got separated. Abraham était comme toi et moi. Abraham was like you and I. Quand il a eu la famine. When the famine came, il a fui, il allait en Égypte. He fled to Egypt. Il avait peur de mourir. He was afraid about dying. Il a dit à sa femme, pardon, dis aux gens que tu es ma sœur. And he told his wife, tell them that you are my sister. Le roi a pris sa femme. The king took his wife. Je ne vois pas un homme dans cette salle qui peut prendre sa femme, donner à quelqu'un. I can't see a man in this hall who can take his own wife and offer him to somebody. Ah, mais Abraham l'a fait parce qu'il avait peur de mourir. But Abraham did it because he was afraid. He didn't want to die. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et puis, soudain, Abraham devient fort. And then suddenly, Abraham became strong. Il devient un homme qui craint Dieu. He became a man who feared God. Il devient un homme de prière. He became a man of prayer. Il devient un homme des alliances. He became a man of covenants. Il devient un homme dont Dieu n'a pas peur d'être appelé de son nom. He became a man of whom God was not ashamed to be called of his name. Tu seras affermi. You will be strengthened. Tu trembles aujourd'hui là. You are shaking. You are trembling today. On peut te mépriser. You could be despised. Mais tu seras grand. But you will be a great person. Dieu m'a montré que c'est ça qu'on appelle établir quelqu'un dans le dessein de Dieu. God was showing me that this is what we call calling and establishing somebody into God's purposes. Ça veut dire que Baudelaire, tu seras ce que Dieu avait décidé. It means that Baudelaire, you will be what God had decided. Même si tu fuis, tu entres sous le lit, on va aller te chercher. Even if you flee and hide under the bed, God will go and take you there. Il y a quelqu'un qui s'est caché derrière les bagages. On est allé le chercher. There is somebody who went and flee and hide in the luggages. God went and took him. Dieu t'a saisi. God has seized you. Que tu sois faible, que tu sois fort, tu vas servir Dieu. Be you weak or strong, you serve God. Et tu vas réussir. You will succeed. Jésus dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jesus said, so that you could go and bear fruit. C'est-à-dire, le dessein de Dieu est rempli de bénédictions. That is, the purpose of God is full of blessings. Dieu t'environne des vertus qui te transforment. God will surround you of virtues that will transform you. Élie était comme toi et moi. Elijah was like you and me. Il pouvait fuir une femme. He could flee from a woman. Mais il a prié, le ciel s'est fermé. But he prayed and heaven was closed. Nous allons faire plus qu'Élie. We will do greater than Elijah. Parce que nous sommes en Christ. Because we are in Christ. Établi en Christ. Established in Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous sommes en train de chercher une formule pour que ce que nous voyons qui nous fortifie, que vous aussi vous le voyez et que vous soyez fortifiés. We are looking for some formulas to teach you so that what we see and that strengthens us, you too, we could see it and get strengthened. Quand nous avons prêché ce message à San Pedro. When we preached this message in San Pedro. Moi-même, je sentais que Dieu était content. I myself, I was feeling that God was happy. Parce que Dieu veut que ses enfants le connaissent comme le Dieu qui est capable de les sauver et de les transformer. Because God wants his children to know him as the God who is able to save them and transform them. Écoute les témoignages. Please listen to the testimonies. Je suis Ernest Traillé. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Meunier. Je suis assistant du pasteur Meunier dans le domaine de la délivrance. Effectivement, Dieu est descendu à San Pedro. Dieu était déjà avec les frères. Mais cette fois-ci, c'était d'une manière particulière. Nous sommes partis d'Abidjan le jeudi, dans la soirée aux environs de 19h. Nous avons voyagé toute la nuit. Nous sommes arrivés au petit matin à 6h00 à San Pedro.
Et nous avons eu une rencontre avec l'équipe de délivrance de San Pedro dans la soirée. Nous avons travaillé. Et la nuit, nous avons commencé les ministères. Et il faut dire que déjà la nuit, après les premiers ministères, les manifestations, les esprits que nous avons retenus, il y avait la reine de la côte. Parce que c'est cette reine-là qui règne vers la côtière. Le Seigneur, dans son amour, nous a beaucoup aidés. Il y avait une sœur qui avait des véritables problèmes dans sa vie. C'était très difficile de se retrouver avec les frères et qu'elle soit aimée, appréciée par ce qu'elle dit. Si elle sort quelque part, elle était tout le temps rejetée, humiliée, maltraitée. Sa parole n'était même pas entendue. Elle me racontait une histoire. Un jour, à une réunion de famille, on nous disait, quand les vraies personnes sont en train de parler, toi, tu dois te taire. Et c'était comme ça, d'humiliation à l'humiliation. Ce jeudi, Dieu est descendu. Et quand l'Esprit s'est manifesté, le Seigneur Jésus a délivré totalement cette sœur. Nous avons continué la matinée du vendredi, puisque la rencontre devait commencer aux environs de 16 heures dans la soirée. Il y a eu plusieurs délivrances que le Seigneur a opérées. Il avait une sœur qui avait un problème. Elle disait, elle était avec des frères. Ils sont allés prier pour un malade à l'hôpital. Au sorti de ce ministère, quand elle est rentrée, elle a senti que dans un rêve, quelque chose l'avait piqué. Elle s'est réveillée, le pied a commencé à s'enfler. Au fur et à mesure, les enflures ont diminué au niveau de la cheville, mais au niveau du genou gauche, elle ne pouvait plus faire usage de son pied gauche. Donc le genou ne pouvait plus bouger et elle était presque paralysée. Le vendredi matin, elle s'est fait aider par certains de ses parents et elle arrivait dans la salle où nous étions pour faire les délivrances. Après la prière et après la bénédiction, celle qui avait du mal à marcher paralysée, elle a couru dans la salle, elle a fait les va-et-vient, les revenus. Le Seigneur continue de travailler. Vendredi nuit, après la rencontre, d'abord quand papa a pris la parole, le vendredi, vraiment, c'était comme une sœur me rapportait. Quand il voyait le pasteur, la sœur me disait, quand le pasteur a pris le micro et il a dit, offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, elle voyait une robe blanche. C'est-à-dire qu'elle voyait le pasteur qui était tout blanc. Une lumière pas possible, une lumière blanche. Dans une tunique blanche. Elle voyait la gloire de Dieu. Effectivement, nous avons vu la gloire de Dieu à San Pedro. Bien avant ce ministère, ce que le Seigneur a fait dans la région du Bas-Sassandra, il y avait un frère qui s'appelait Saturnin qui était mort, décédé. La médecine a déclaré que Saturnin est mort. Et ses frères sont allés prier pour lui. Le médecin a dit, vous perdez votre temps parce que celui-là, il est déjà mort. Le médecin l'a pincé comme ça, décédé.
Mais les frères ont bombardé, ils ont appelé Saturnin. Saturnin, tu ne peux pas nous faire ça, Saturnin, revenir à la vie. C'était le lundi 7 décembre 2020 que le frère est tombé dans un coma à l'hôpital de Sarakadji. Et nous l'avons fait venir à l'hôpital général de Soubré. Et là-bas, quand nous sommes arrivés, donc, après les examens, le docteur a dit qu'il fallait lui passer 7 ballons par jour. Mais cependant, il était à 8 grammes de sang. Donc, ce n'était pas trop possible qu'on puisse lui mettre assez de ballons. Sauf qu'on fasse une transfusion sanguine. Le 9 matin, il était tout dans le coma et le docteur est venu. Il a réveillé, bon, il agissait, mais il était inconscient. Mais seulement, il pouvait boire, il pouvait manger, mais il ne voyait rien de tout ce qui se passait. Donc, on devait lui faire une injection. Et quand ils ont fini l'injection nette, il était là du coup, et puis il a faibli. Je suis là, je vois, sa main gauche est tombée, sa main droite est tombée, et il a tendu son pied droit, il a tendu le pied gauche, et il a battu le cou sur le côté. Donc, j'étais avec l'ancien Grégoire qui a commencé à l'appeler « Frère, frère, frère ». Donc, rapidement, ça a attiré mon attention et j'ai porté le regard sur lui. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « Non, ça ne va pas sur le frère. » Du coup, sa respiration s'est coupée. Et le docteur est venu, il a pincé fort. Le frère ne pouvait plus ressentir les sensations. Et il a fait un ouf comme ça et il est sorti. Donc, on avait tout su que le frère n'était plus avec nous, il était parti. Donc, il a uriné déjà sur lui et c'était fini. Et j'ai commencé à prier. Or, quand on quittait l'église de Sarakadji, les frères et les sœurs étaient là avec nous. Ils m'ont dit, pasteur, reviens avec notre pasteur. Il a dit, oui, croyez, Jésus va faire, nous allons venir avec lui. Alors, à ma grande surprise, le voilà parti sur le lit et de l'hôpital. Et j'ai commencé à prier. Après, j'ai ressenti à moi qu'il fallait l'appeler pour lui rappeler ses promesses qu'il m'avait dit. Et je l'ai appelé avec la voix très forte. Saturnin! 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 Il a répondu. Jésus-Christ. Et je l'ai rappelé. J'ai dit, mais tu vas où? Tu vas où? N'est-ce pas que tu m'as dit que tu es venu m'aider pour qu'on fasse la conquête? On n'a pas encore fini le but. Tu vas où? On a dit aux frères qu'on venait pour repartir. Et tu vas où? Comment tu penses que je peux regarder encore en face dans le visage? Pendant ce temps, il était encore resté calme. Le souffle n'était pas revenu, mais il avait quand même répondu, mais la respiration n'était pas. Et à nouveau, j'ai encore crié son nom. Saturnin, reviens! Et il a encore répondu. Et il est revenu. Alléluia. Pendant ce temps, le docteur était parti faire la déclaration. Donc, il venait avec une équipe pour venir prendre les empreintes de comment il était déjà décédé. Et à l'heure arrivée dans la salle, le frère a commencé à respirer. Et c'est comme ça, le frère est revenu à la vie. Aujourd'hui, il est là avec moi. Et nous continuons toujours notre but. Jésus Christ. Il y avait un frère qui est maintenant de Yabayo. Un frère en Christ, mais païen de son état à l'époque, c'était un alcoolique chronique, bien chronique, très chronique. Il dit, il n'y a jamais un jour où il n'est pas saoulé. Soit c'est Koutoukou, c'est la bière et toutes les autres boissons qu'on peut voir dans le monde. C'était très difficile pour lui.
Quand je fais ce témoignage, je voudrais vous faire une confidence. Frère, si vous avez un dossier d'ivrognerie sous vos mains, dites-vous que vous avez affaire à un menteur, à un voleur, à un impudique, à un hypocrite, à un candidat potentiel pour l'enfer. C'est ce que j'étais et le Seigneur m'en a délivré. Gloire à Dieu! Je venais d'échouer pour la deuxième fois à mon bac probatoire. À notre temps, il y avait le bac probatoire qu'on passait en première. C'était en 1985. J'ai maintenant 60 ans. Faites le calcul avec moi. J'ai 3 ans dans le Seigneur. 25 ans plus 3 ans, ça fait 28 ans. Moins 60, 32 années de vie que je vais vous raconter. J'ai vécu dans l'alcool, dans la boisson, un ivrogne. Je ne dis pas les petits buveurs de Capement là, non. La région de Soubré, j'avais une très grande réputation dans la boisson. Mais j'en souffrais terriblement. Je pouvais pleurer toute une nuit. Quand la boisson finissait, en moi, je pleurais quand on me racontait les dégâts que je causais. Mais je n'arrivais jamais à arrêter. Une fois, j'avais une grande sœur, elle m'a appelé, elle dit « Allons ». Bon, elle ne m'a même pas averti. Elle a fait appel à quelqu'un, on dit « Il va préparer de la boisson, il va mettre ses choses dedans. Si je bois, c'est fini, je ne vais plus boire. » Donc, c'était à Soubréville. Elle tenait un maquis, moi j'étais sorti. Donc, elle avait payé un vin, une bouteille de vin. Ils ont tiré un verre dessus et puis bon, le gars a fait ce qu'il voulait, il est parti. Quand je suis venu, elle m'a dit, voilà, il y a un client qui est venu, de la boisson, mais il n'a pas pu boire. Le reste, il faut prendre, tu vas boire. J'ai dit, d'accord, j'ai pris, j'ai bu. Le soir, la même nuit, quand elle a fermé son maquis, elle est partie à la maison. La même nuit, j'ai cambriolé son maquis. J'ai vidé sa boisson. Quand elle est venue le matin, elle m'a trouvé là. J'étais ivre, couché là, là même. Mais il n'y avait pas que la boisson dans ma vie. Il y avait les mauvais esprits qui m'ont maltraité. La journée, il y avait un esprit. Celui-là, il devait être très méchant et puis très court. Il devait être court de taille. Parce qu'il me tirait les oreilles par le bas chaque fois. Et le geste qui s'ensuit, je ne pouvais pas passer inaperçu, quel que soit le milieu dans lequel je suis. J'en souffrais. Parfois, il y a des voix qui m'interpellaient. On m'appelait, on criait mon nom. Sabéi. Mais je ne savais pas qui. Quelquefois, je reconnaissais le nom et les voix. Mais j'en ai souffert. Je parle de 32 ans, chers frères. Jusqu'à ce que je partais dans des églises. Mais on me dit, la boisson là, tu peux boire un peu. Oh, moi, je ne sais pas boire un peu. Gloire à Dieu. C'est comme ça, un jour, je suis allé dans une église. Le monsieur, il m'a parlé de, ouais, on t'a déjà découpé. Donc, va payer, comment on appelle, des casiers de l'eau, là, haut là. Je dis, mais ça, c'est pour me préparer maintenant. Je suis déjà découpé, tu me dis de payer de l'eau. Gloire à Dieu. Je suis quitté devant lui. Je suis venu m'asseoir dans mon village pour boire mon koutoukou, attendre la mort. C'était dans cet état que le missionnaire de Yabayo, le pasteur Banima Yautouse, est venu chez moi à la maison. Et il m'a dit, je voudrais te voir. J'ai dit, oui, à quel sujet? Il dit, je suis un homme de Dieu. Donc, comme je suis à Yabayo, demain tu passes me voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je suis parti. Quand il m'a reçu dans son bureau, il m'a parlé de la repentance. Il a dit, ça c'est quoi ça encore? Et il m'a expliqué ce que c'était la repentance. Pendant qu'il m'expliquait, j'ai reçu directement que oui, celui-là, il doit être sérieux. Parce que quand il parlait, je voyais là d'où venait le mal. Il m'a mis en confiance que Jésus pouvait régler ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a donné un cahier, j'ai rempli, j'ai dit tout.
Il a prié. On est allé aux eaux de baptême. Il m'a baptisé. Il dit, brisez ma délire. Il dit, envoie. Offrande d'acclamation. Gloire à Dieu. Il dit, un j'aime. J'ai dit, je me mets dedans. Il m'a donné le livret, le document. Comme je sais lire et écrire, je dis, comme ça, c'est comme ça, il faut prier. Comme l'enseignement est dedans. J'ai commencé à prier seul. Frère, c'est le deuxième jour. J'ai vu la puissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était dans un songe. Et je me suis retrouvé dans la décharge du village où on jette les poubelles. J'étais dans une case. Les chaînes au cou, dans les mains, dans les bras. On n'aurait pas enchaîné coup à coup ainsi même. J'étais enchaîné. J'ai crié Jésus. Frère, les chaînes se sont brisées. Offrant d'acclamation. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Offrant d'acclamation. Offrant d'acclamation. Offrant d'acclamation. Offrant d'acclamation. Dis Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oui, continue. Les chaînes se sont brisées. Pendant ce temps, il y avait un monsieur, il avait un fusil et il était mon gardien, il surveillait. Le lendemain matin, comme j'étais allé à Bayo, je n'ai rien dit. Deux jours après, j'ai vu une occasion, je suis allé au village. Quand je l'ai vu, j'ai dit, frère, j'ai dit, je suis sorti, hein. Gloire à Dieu. Et comment il m'appelle maintenant? Il m'appelle l'homme fort. Moi, je l'appelle mon petit. C'est le code qui est entre nous. Gloire à Dieu. Frère, je dis à tous ceux qui m'écoutent, moi, je ne pensais pas que je pouvais être au milieu de vous ici. Et je n'ai pas fini. Le dimanche 19 juillet, 2020, le Seigneur, par sa grâce, par le biais du missionnaire de Soubré, le papa Blaise, le Seigneur m'établit dirigeant d'assemblée. Offrande d'acclamation. Où est le frère Blaise? Viens. Ayabayo. Je suis dans l'équipe des brisements de liens. Offrande d'acclamation. Ayabayo, je suis dans l'équipe d'évangélisation. Des cris de joie. J'ai dit à Jésus, Jésus, je ne vais pas te quitter, mais mets-moi au front, je vais me battre, je vais me venger contre Satan. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Frère, c'est pour dire à ceux qui hésitent encore, cette histoire de Jésus, c'est une réalité. C'est une réalité. Où je suis là, j'ai 60 ans, je vous ai dit, mais j'ai l'impression de rajeunir encore même. Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais que vous m'aidiez à dire merci à Jésus. Nous étions maintenant à dimanche. Dieu, frère, Dieu est merveilleux. Dimanche, c'était l'apothéose. Le Saint-Esprit a conduit le pasteur à prier sur un volet. Si tu es jumeau ou jumelle et que tu as été adoré, l'Esprit qui se trouve derrière les jumeaux, il a commencé à juger cet esprit. Une sœur dans la salle, c'est une sœur d'Abidjan, elle était à cette rencontre d'ici du pasteur Yannick. Elle dit, quand le pasteur a commencé à juger l'esprit derrière les jumeaux, j'ai senti mon ventre bouillonner comme un tourbillon. Et je sentais qu'il fallait aller à la selle.
Donc je me suis retiré, je suis parti. Quand je me suis abaissé. Donc, viens. Offrande d'acclamation. Donne-lui la parole en même temps. Gloire à Dieu! Frère, Jésus est vivant. Jésus est puissant. Moi, j'ai connu le Seigneur Jésus le 31 décembre 2020. J'ai cherché la délivrance. Le Seigneur m'a dit, le pasteur qui a été délivré, là, il va construire une grande église. Dans le 31 décembre, quand j'ai vu l'église, je dis, ah Seigneur, tu dis une grande église. Après, on m'a envoyé dans les petites maisons. Le Seigneur dit non. On est venu à l'UMPJ, je suis une nouvelle sœur. Je suis partie à Actier, quoi, j'ai vu de mes deux yeux. J'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Il dit, c'est maintenant ça commence, on va te délivrer. Jésus. Frère, allons doucement. Moi, depuis des années, je suis dépressif. La dépression, j'entends des voix, des gens me parlent, je fais des choses. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas normal, mais je n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. Et le pasteur Meunier, il m'a même, le Seigneur dit, tu vas voir que mon fils là, il ne va même pas te toucher même, tu seras délivré. J'ai commencé à lire le livre sur la dépression. Et les voix me disent, tu es trop bête, tu es trop bête, arrête de lire ça, ne fais pas ça. Mais je dis non, je vais continuer. Et le pasteur Josias, que Dieu le bénisse, parce que c'est grâce à lui, en achetant un livre, et le Seigneur m'a montré le chemin. Et je suis partie à San Pedro. Et à San Pedro, déjà, comment le Seigneur m'a délivré d'abord de la dépression d'abord. Le pasteur de l'ancien de Gonzague, ils ont fait lancer les dons. Et on dit, venez compléter. Ceux qui ont 10 000, 10 000, moi, mais 10 000 dans mon sac. On dit, courez, courez pour venir déposer. J'ai couru en me levant. L'esprit l'a dit, tu es bête, assieds-toi. Si tu vas là, c'est fini. Je vais te tuer. Je dis, menteur. Le pasteur Meunier a écrit dans son livre que si je suis passif, c'est ça, la voix là va me commander. Donc, tu fermes ta bouche au nom de Jésus. J'ai couru. Offrande d'acclamation. Jésus-Christ. Amen. J'ai couru. Je suis allé mettre les 10 000. Quand je suis revenu à ma place, il dit, c'est fini, au revoir. Je te laisse, je te quitte. Je t'abandonne. Jésus-Christ. Offrande d'acclamation. Oh. Jésus. Jésus-Christ. Et le Seigneur n'avait pas encore fini avec moi. Dieu, il est merveilleux. Sa miséricorde, le Seigneur, il est bon. Et le pasteur Meunier, Dieu l'a dirigé sur un sujet de prière des jumeaux. Et moi, j'étais assise là. Le Seigneur me dit que toi, tu es jumelle. Je dis, ah Seigneur, moi, je suis jumelle, je ne sais pas. Il dit oui. Que tu as été adoré, que tu es né dans un village, c'est un royaume, c'est entre le Ghana et le Togo, on appelle ça Dani Ameyepe, que ta maman devait devenir reine et elle a fui, elle est venue en Côte d'Ivoire. Donc les esprits lui ont dit, quel que soit, si ce n'est pas toi, on va choisir l'un de tes descendants. Donc c'était les esprits là qui me fatiguaient. Donc le pasteur Meunier a commencé à dire que s'il y a des personnes ici qui ont été adorées, qui ont eu des formes d'adoration de jumeaux. Mon ventre a commencé à me faire mal. Mon ventre a commencé à me faire mal. J'étais là, mon ventre a commencé à me faire mal. La prière est finie, le pasteur Meunier est parti. Et puis j'étais là, j'ai dit au pasteur Josias, j'ai dit, papa, j'ai mal au ventre. Il m'a prise, il m'a emmené chez le pasteur. Et puis les autres pasteurs ont commencé à prier. On m'a dit, je me sépare, esprit à mes corps. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, c'est la convention de la foi. Moi, je sais que tu es vivant. Je me suis promené dans beaucoup d'églises. J'ai oublié de vous dire, moi, j'ai fait le tour des églises d'Abidjan pour chercher ma délivrance. Je n'ai pas eu. Parce que quand je m'en vais, on ne me parle pas de trucs, on me parle de, non, ça va aller.
Mais quand je suis venue à la CMCI, on m'a parlé de la repentance. Je me suis réconciliée avec le Seigneur. J'entendais dans mon esprit la repentance, mais je ne savais pas ce que c'était que la repentance. Depuis que je suis à la CMCI, je vois qu'à la CMCI, on organise des campagnes d'évangélisation. Mais moi, personne ne m'a jamais évangélisé. Je n'ai jamais entendu. J'ai vu que le diable est méchant. Le diable fait des complots pour ne pas que les enfants de Dieu soient dans la lumière. Mais le pasteur Meunier a dit quelque chose à la convention. Il dit, on ne rentre pas dans les desseins de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te prend et puis il t'établit. Je dis, Seigneur, si moi, en allant acheter les livres le 1 décembre, tu as permis que j'entende parler de la vérité, parce que j'étais dans le noir, j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je suis un enfant de lumière. Tu as promis la délivrance. Ton fils a dit que les enfants de Dieu, on a droit à la délivrance. Seigneur, moi, je dis, je veux ma délivrance. Il faut me délivrer. On a fini avec Akekwa, j'ai vu maintenant. Mais il reste la partie là. Il faut me délivrer. Sinon, là, je ne te laisse pas. Je te laisse pas si tu ne me délivres pas. J'ai dit, Seigneur, il y a longtemps, le diable m'a maltraité. Il m'a fait croire des choses. Je me suis promenée. J'ai fait beaucoup de choses que tu n'aimais pas. Mais toi-même, tu as eu pitié de moi. Ta miséricorde m'a localisé. Ton fils dit que nous tous qui sommes ici, là, on va partir avec nous. Moi aussi, il est parti pour moi au nom de Jésus. Et puis le pasteur Meunier a dit quelque chose, qu'en priant là, on a, faut plus en dire éternel, tout ça là. On n'a qu'à dire Dieu notre Père. Il a dit, Seigneur, tu es mon Père. Jésus-Christ est mon grand frère. Il faut glorifier Jésus, Seigneur. J'ai dit à mon papa, lui, il ne va pas à l'église, c'est un féticheur. Il dit que moi, il m'aime me promener. Il faut lui montrer que toi, tu es vivant. Montre-lui, il faut que j'ai un témoignage. Je ne suis pas les chrétiens. Je ne veux pas être un chrétien qui vient, je regarde des choses et puis il m'en va. Non, Jésus, tu es vivant. Tu as accompli une œuvre pour moi. Je crois en ta parole. Je veux ma délivrance. Sinon, je ne te laisse pas. Et quand mon ventre a commencé, le pasteur a prié. On dit, ce n'est pas toi. Ah, mais quoi, j'ai fait tout ça. J'ai couru. Le pasteur Josias m'a donné de l'argent. Je suis partie à la maison. Quand je suis allée, je me suis assise. Excusez-moi du terme. Sur les toilettes. Ce qui est sorti. J'ai dit, oh Jésus, ça, c'était dans mon ventre. Et puis, je ne savais pas. C'est pas comme si j'ai eu des relations sexuelles. Non, ça fait près d'un an et demi depuis le Seigneur a dit que c'est l'impudicité qui fait que le diable a accès à moi. Je me suis forcée à marcher dans la parole de Dieu. En attendant que je n'ai même pas entendu parler de la repentance. Mais le Seigneur Jésus m'a donné la force d'abandonner le péché sexuel. Donc, quand j'ai vu ce qui est sorti de mon ventre, et puis le Seigneur me dit, tu es délivré. Que c'est parce que tu as été adoré. Donc, toutes ces saletés-là, c'était dans ton ventre. Mon cordon ombilical était enterré quelque part dans le village. Et puis, les gens m'adoraient. Oh, c'est Dieu seul, c'est Jésus-Christ seul qu'on doit adorer. Donc, je veux dire merci à Dieu parce que j'ai reçu ma délivrance avant mon brisement de liens. Je n'ai même pas encore reçu le brisement de liens que le Seigneur m'a délivré. Jésus-Christ. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qui est sorti de son ventre? Des amulettes. Voici la photo. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Alléluia! Et le Seigneur a continué à délivrer ses enfants. Il y avait un frère qui a fait 2 semaines de paralysie. AVC. Très, très avancé. C'est un frère de Lobozoa. Il avait du mal à marcher, même prononcer une phrase. Et il est venu à cette rencontre avec ses parents. Après le brisement des liens, après la bénédiction, celui pour qui c'était difficile de prononcer une phrase, même le nom de Jésus, il a dit, Jésus! Dieu est à l'œuvre, bien aimé frère. Il y avait un frère
Selon la médecine, en tout cas la médecine a dit que c'était une tumeur. Avec d'autres maladies, d'autres noms qu'ils ont donnés. Vraiment, c'était, même pour le frère, même pour prononcer ce nom, c'était très difficile. Mais ce que nous avons retenu, c'était une tumeur. La chair de son côté gauche était complètement sortie. J'ai dit, quand nous sommes allés voir le frère, tu ne peux pas rentrer dans la maison parce que la maison sentait. J'ai dit bien, vrai. Vraiment, frère, quand tu n'es pas délivré, tu souffres. Quand nous avons vu, nous avons fait d'abord la prière de guérison. Parce que c'était pendant la période de la pause, entre midi, entre quand le pasteur a fini, de 14h jusqu'à 17h, c'est là que nous avons visité le frère. C'est juste une petite maladie d'une semaine. Ici, il y a eu un trou, la chair est sortie. Il avait du mal, il a maigri. L'homme qui était gros, maladie d'une semaine, il est devenu comme ce doigt-là. Pour se lever, quand nous sommes dit, quand j'ai dit au frère, lève-toi, nous allons voir. Frère, c'était avec peine. Nous sommes allés l'aider à se lever. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui a pitié de ses enfants, quand nous avons fini la prière de guérison, parce que je lui ai dit, nous avons d'abord prié pour toi et on va programmer le ministère de brisement des liens la nuit. Après la prière de guérison, celui qui n'arrivait pas à se lever, donc quelqu'un qui n'arrive pas à se lever, comment peut-il marcher ni courir? Celui qui n'arrivait pas à se lever après la prière, je lui ai dit, fais deux pas. Il a fait 5 pas. J'ai dit, cours. Il a commencé à courir. Après maintenant le brisement des liens la nuit, quand il est rentré au petit matin, pendant une semaine, c'était très difficile pour lui de manger. Il dit, quand je l'ai appelé, il dit de sa propre bouche, frère bien-aimé, si on déposait par exemple les frites, peut-être que je pouvais prendre seulement 2 morceaux, c'était fini pour moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas ajouter autre chose. Il fallait attendre au moins des heures avant de boire de l'eau. Mais quand je suis rentré, j'ai mangé comme si ce n'était pas... J'ai mangé comme un gourmand. J'ai fini tout le plat. Je me porte très bien actuellement. C'est juste que c'est seulement la plaie. Sinon, je tape dessus, je ne sens plus la douleur. La douleur a disparu. Il n'y a plus rien. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le soleil, le clair matin, où les ombres du soir, tout mon cœur, tout mon cœur, et toi, célèbre chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, tu es haut de tout mon être, tout mon cœur.
tu es grand, combien tu es grand. Oh, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Oh, tes bienfaits sont si nombreux. Tu te livres, Seigneur. Tu te livres parfaitement. Tu sauves, Seigneur. Tu sauves parfaitement. Mais quand je songe, mais quand je songe. Notre Dieu et notre roi. Tu es Dieu dans le ciel. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sous la terre. Dieu de notre salut. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Tes œuvres sont fantastiques. Tes œuvres sont magnifiques. Tes œuvres sont formidables. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Éternel. Tu as libéré les captifs. Tu as délivré les captifs. Tu as brisé les chaînes et tu as libéré les captifs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois adoré, sois exalté au siècle des siècles. Amen. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es réellement Dieu. Tu n'as pas changé. Oh Seigneur, du lever du soleil au coucher du soleil, nous voyons tes hauts faits dans nos vies, dans les nations. Nous te bénissons pour ce témoignage. Tu as dit à ton serviteur que tu veux être reconnu comme le Dieu qui sauve et qui transforme. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui sauve et qui transforme véritablement. Merci pour ce témoignage que nous avons entendu. Pour ces personnes que nous avons vues, que tu as délivrées, merci pour cette résurrection et pour toutes les autres résurrections que tu as opérées dans cette nation. Merci pour la délivrance de notre frère,
de l'alcool. Oh Dieu, 32 ans de vie dans l'alcool. Tu as trouvé le moyen de le délivrer, de le délivrer, de le délivrer, Seigneur. Tu l'as transformé, tu as fait de lui un dirigeant. Nous te disons merci et nous te bénissons pour ton œuvre. Sois adoré, sois exalté. Amen. Frère le Seigneur opère des prodiges, des grands miracles. The Lord performs great signs and miracles. On ne peut pas tout raconter ici. We cannot tell all his miracles here. Mais il y a une sœur là-bas. But there is a sister there. Elle vivait avec un monsieur depuis leur jeune âge. Who used to live with a man since the child, since they were young. Quand le monsieur est devenu riche, il l'a chassé. When the man became rich, he left her. Et il a oublié. And he forgot. Après la délivrance. After the deliverance. Et pendant qu'ils étaient dans le renversement des principautés. Meanwhile, they were in the overthrowing of principalities. Je crois que c'était au troisième jour. I think it could be in the third day. Le monsieur l'appelle. The man called her. Il dit, va au village, toutes les terres, là, les champs, tout ça prend, c'est pour toi. She said, go in the village and take all the lands, all the farms, take all of them. Elle dit qu'elle croyait que c'était le jeu. She said she was thinking that it was a joke. Et le monsieur est très sérieux. But the man was very serious. He is very serious. Après, elle a cru à cela. After that, she believed in it. Mais elle se posait la question, et la famille, la belle famille, est-ce qu'ils vont m'accepter? But she was asking herself, will his family accept this? Quand elle est partie, when she went, elle arrive. She tout arrived. Le monde vient la saluer. Elle a patronne, elle a la patronne. She arrived there. All the family came to greet her. Oh, the great biens. Woman, the great woman. Tous she was biens. Giving all the lands, all the farms. Elle a fait le lotissement. And c'est déjà fini. Tout est à son nom. She had done the allotment of the lands. Everything is in her name. Le monsieur a récupéré les enfants. The man has taken back the children. Elle dit qu'il m'appelle tous les jours. C'est moi-même qui le mariage là, ça va comme ça. Je lui ai dit quand Dieu délivre là, il restitue, il redonne tout. The woman calls me every day concerning the marriage, and I told her when God calls you, he restitutes back to you everything. Elle dit quand il appelle, il cause longtemps, mais vous comprenez. She says when the man calls her, he will use much time. 12 ans après. 12 years after. Mais la partie la plus importante de son témoignage. The most important part of her testimony. C'est la vision qu'elle a vue. Is the vision that she saw. Qui montre dans quelle condition spirituelle elle était. That shows the spiritual condition in which she was. Elle dit qu'elle s'est retrouvée elle se voyait dans une fosse avec les excréments humains. She says that she found herself in a big hole with human excrements. Elle criait, qui va me sauver, qui va me délivrer? She was crying, who will save me, who is going to deliver me? Elle dit qu'il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas dans la fosse, mais qui étaient malheureuses, misérables. And she said that there were many other people who were not in that pit, but they were also miserable people. Et qui souffraient. They were also suffering. Pendant qu'elle criait, meanwhile she was crying, elle voit quelqu'un qui vient habillé en blanc, qui vient du ciel. She saw somebody who came from heaven with a white garment. Qui lui tend la main. Who took her hand. Qui la sort de la fosse. And removed her from the pit. Hallelujah. Amen. Le résultat est ce que vous avez suivi. The result is what you followed. Comment quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle les caca, comment quelqu'un qui est dans les caca peut être agréable? Zéro. How come somebody who is in human excrements can be pleasant? Frère, Dieu travaille profondément. God works deeply. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?
Donc quand nous prions là, so when we are praying, agissant dans, sur la terre, dans les eaux, ce n'est pas nos yeux, ce sont des grandes révélations. On the land, under the earth, in the waters, we are not joking. Tu peux marcher alors que tu es dans une décharge, on t'a déposé là-bas. You can be walking here whereas you have been thrown into a dump. Au niveau physique, tu bois l'alcool. At the physical level, you will be drinking alcohol. Spirituellement, dans une poubelle. But spiritually, in a dump. Mais Jésus agit aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme hier en Palestine. Jesus Christ works today in Côte d'Ivoire. Like yesterday. Tu ne peux pas écouter ce témoignage. You cannot listen to this testimony. Et rester la même personne. And remain the same person again. D'abord, ça te rassure. First of all, it gives you an insurance. Jésus travaille. That Jesus works. Même si ta part n'est pas encore arrivée. Even if your own has not come yet. Ça te permet d'espérer. It allows you to hope avec toute l'intelligence, with all your intelligence, et ça va s'accomplir, that it will be accomplished. C'est une question de combat. It's a question of warfare. Il y a eu un cas là-bas. There has been one case. Le Saint-Esprit révélait que quelqu'un résiste à Dieu. The Holy Spirit was revealing that somebody was resisting God. Parce que sa conversion va lui coûter cher. Because his conversion would cost him too much. On a insisté. Insisted and insisted. On a laissé. And we left. Le Saint-Esprit est revenu que we left that case away. Doit se donner, sa conversion va lui coûter cher. The Holy Spirit insisted again that somebody needs to give his life to Jesus, but an old woman stood up. En criant, en pleurant. Crying and weeping. L'équipe de délivrance l'a récupéré. The team of deliverance took her. Je lui ai d'abord demandé pourquoi tu résistais. Il dit parce qu'elle ne veut pas servir Dieu. First of all, I put her the question, why were you resisting? She said because I don't want to serve God. Donc c'est après cette question que l'équipe de délivrance l'a récupéré. It is after this question that the team of deliverance took her. Quel chemin dit, mais va écouter ce que le démon dit. Somebody told me, go and listen to what the demons were saying. Quand ils ont proclamé qu'elle va servir Jésus. When they proclaim that she will serve Jesus. Le démon dit que c'est ça même que je ne veux pas entendre. The demon said, this is even what I don't want to hear. J'ai dit, non, Jésus est puissant. I said, Jesus is powerful. Je me suis dit, le démon pense que quoi? I told myself, what does the demon think? C'est ça même que je ne veux pas entendre. This is even what I don't want to hear. Ils l'ont chassé. They cast it away. Donc c'est un combat réel. So it is a real battle. C'est deux royaumes. It is two kingdoms. Et Dieu nous a déjà convaincus qu'il nous a donné du travail. And God has already convinced us that he has prepared. Nous devons prêcher l'évangile. A job for us. We must preach the gospel. Nous devons gagner les âmes. We must win souls. Il y a eu plus de 800 personnes gagnées ce week-end. There have been more than 800 people won to God. Nous devons bâtir ces âmes. We must build those souls up. Et les transformer en disciples du Seigneur Jésus-Christ. And transform them into disciples of the Lord Jesus Christ. Et comme le frère Zach nous a enseigné, as Brother Zach taught us, l'évangile est un paquet. The gospel is a package. Il y a dedans le salut, c'est de la vie éternelle. In which we have our salvation. Il y a la prospérité. We have prosperity. C'est-à-dire la bénédiction matérielle. We have material blessings. Financière. Financial blessings. Intellectuelle. Intellectual blessings. Matrimonial. Matrimonial. Tout ce blessings. Que l'homme recherche. Whatever a man can look for. Est en Dieu. Is in God. Et Dieu envoie ses grâces. Par sa parole. And God sends this grace through his word. Par son message. Through his message. Qu'on appelle la bonne nouvelle. That we call the good news. Qu'on appelle l'évangile. That is called the gospel. L'évangile a des vertus. The gospel has virtues. L'évangile est une entreprise. The gospel is an enterprise. L'évangile c'est une société. It is an enterprise. C'est une institution. It is an institution. Qui a besoin des hommes et des moyens financiers. That needs men and financial means. Et tous ceux qui bénissent cette entreprise
sont bénis. Who bless this enterprise are also blessed. Comme nous avons vu la semaine passée. As we saw last week. Et aujourd'hui, today, après avoir écouté tous ces témoignages, after having listened to all these testimonies, lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Let's read from 1 Thessalonians chapter 4. Verset 1. Verse 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. 1 Thessalonians 4 verse 1. Thessaloniciens chapitre 4 le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Amen. Hallelujah. Amen. Il dit, vous avez appris de nous. You learned from us. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. How to walk and please God. Et c'est là ce que vous faites. And this is yet what you are doing. Alléluia. Le frère Zach nous a enseigné comment servir Dieu avec crainte et tremblement. Brother taught us how to serve God with fear and trembling. Un jour, one day, il est arrivé. He arrived. Il a dit, Pasteur Meunier, tiens-toi ici. And said, Pasteur Meunier, stand here. Et la sœur Colette. And Sister Colette, stand here. Il a choisi un autre ancien. He also chose an elder. Il a dit que vos disciples se tiennent derrière vous, que les disciples de chacun se mettent derrière lui. He asked the disciple of each of us to stand before us. Il voulait vérifier si la formation des disciples pratiqués en Côte d'Ivoire. He wanted to check if the making of disciples was practiced in Côte d'Ivoire. Et il a dit, he said, ceux de vos disciples qui n'ont pas de disciples, those of your disciples doivent quitter les rangs. Those of your disciples who have no disciples must leave the queue. Malgré cela, mon rang est resté très long. Le rang de la sœur Colette est resté très long. In spite of that, my queue remained very, very long. That of Sister Colette remained very long. Et l'autre ancien, son rang a beaucoup diminué. Via the elder, his queue got very short. Il a dit, Boniface et Colette ont réussi la formation des disciples. He said, Boniface and Colette have succeeded the making of disciples. Quand il est arrivé au Cameroun, il a annoncé ça là-bas. When he reached Cameroon, he announced it there. Ce sont des choses que le frère nous a enseignées avec des grands cris. These are things that the brother taught us with great cries. Pour que ce ministère des miracles soit libéré. So that this ministry of miracles could be released. Dieu nous avait déjà établi sur le ministère. God had already established us on the ministry. Mais pour nous, c'était encore très flou. But for us, the vision was not very clear. On pratiquait le brisement des liens, c'est comme si c'était pour nous en Côte d'Ivoire. We used to practice the breaking of links, and for us, it was for us in Côte d'Ivoire here. En 2007, in 2016, à la convention, at the convention, à Benjaville, in Benjaville, le frère Zach a prêché. Brother Zach preached. Il a lancé l'appel. And called the people. Beaucoup de personnes se sont données. And many people gave themselves to God. Alléluia. Amen. Et m'a donné le micro pour que je prie pour les nouvelles âmes. He gave me the microphone so that I could pray for the new souls. J'ai prié fort. I prayed with big cries. Et même j'ai prié en langue. I even prayed in tongues. J'ai dit aux âmes d'aller s'asseoir. I asked the souls to go and sit down. Le frère Zach s'est levé et dit non. Brother stood up and said no. Il dit ce n'est pas fini. It's not finished. Il dit, c'est vrai, tu es mon disciple. C'est comme ça que je faisais. Mais je ne suis plus dedans. Maintenant, la guérison, le salut, la délivrance,
au même moment. He said, it is true that this is what I used to do because you are practicing it as my disciple. Right now, after receiving Jesus, people must receive the healings and deliverance. Donc, c'est entré en nous. So it has entered in our lives. Aujourd'hui, today, chaque ancien pratique cela. Each elder practices it. Nous organisons le week-end de guérison et de délivrance. Non, le week-end de salut et de guérison. We are organizing now the weekends of salvation and healings. Et c'est ce que nous pratiquons maintenant. This is what we practice now. C'est ça qui porte des fruits. And this is what is bearing fruit. Alléluia. Amen. Et ça va grandir. It will keep growing. Tous les types de miracles sont déjà accomplis. All the types of miracles have already c'est been accomplished. C'est l'échelle qui va augmenter. It is the chain that will become longer quand and longer. Quand les gens sont pardonnés. When people are forgiven. Quand ils sont délivrés when du péché. They have been delivered from sin. Avec des démonstrations comme ce frère qui se venge maintenant. With demonstrations like this brother who is avenging himself. Quand les morts ressuscitent. When dead are coming to life, quand les fétiches sortent, when fetishes are coming out, les démons sont chassés. Demons are getting out. Quand les paralytiques marchent, when cripples are walking, et que les sorciers sont déroutés, and when witches are being overcome and overcome, les âmes sont désenvoûtées. When bewitched people are delivered, toutes les catégories de miracles sont déjà là. You see that all the categories of miracles are already there. Maintenant, now, nous devons aller de progrès en progrès. We need to go from de progrès en progrès to progress. Hallelujah. Amen. He says, et c'est là ce que vous faites. And yet, this is what you are doing. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Si tu encadres quelqu'un, if you are watching over somebody enseigne-lui spiritually, les choses qu'on t'a enseignées au commencement. Please teach him the things you have been taught at the beginning. Enseigne comment on craint Dieu. Teach him how God is to be feared. Enseigne comment on pratique les routines. Teach him how to practice the routines. Enseigne. Teach and teach. Enseigne comment on donne à Dieu. Teach how to give to God. Et enseigne qu'on grandit dans le don. On ne reste pas stagnant. Teach him that we grow in the gift. We don't remain. Même la sanctification, on grandit dans la sanctification. Even in sanctification, we grow in it. Il faut même évoluer jusqu'à ce qu'on appelle la séparation avec le commun. We should grow till the level of the separation of from the common. Tu te dis comme Dieu travaille avec moi, je ne suivrai pas n'importe qui, n'importe quelle voie. You tell yourself, because God is working and working with me, I will not walk with anybody. I will not do anything. Je me sépare du vulgaire. I separate myself from that which is common. Pour assurer l'évangile son progrès. In order to ensure the progress of the gospel. Si tu jeûnes, il faut grandir dans le jeûne. If you fast, you must grow in the fasting. Chacun doit grandir dans tout ce qu'il savait faire. Everyone must grow in whatever he was able to do. Dit de progrès en progrès. He says from progrès en progrès. To progress. Alléluia. Amen. Si tu es un pasteur, tu développes des stratégies pastorales pour ne perdre aucune brebis. If you are a pastor, you must develop some pastoral strategies so that you could not lose even one sheep. Vous voyez, pour ressusciter un mort comme celui-ci, il faut être un bon passeur. You see, to raise a dead up like this one, you need to be a good pastor. Parce que c'est sa brebis, il s'est dit, mais tu dois travailler avec moi, tu vas où? The man said that you are my sheep, you are my disciple, you are working with me, what are you doing? Un autre pouvait rendre gloire grâce à Dieu que à toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il rentre seul. Another one could say, oh, God, thank you for having taken our brother, and he will go home alone.
De progrès en progrès, de progrès en progrès. From progress to progress. Va méditer sur ce que tu sais faire et planifie le progrès de ce que tu sais faire. Go and meditate on what you can do, what you are able to do, and plan its progress. Et le Seigneur sera avec toi. And the Lord will be with you. Frère, tu vois de tes propres yeux que nous sommes dans une œuvre vivante. Ça veut dire que quoi? Que Dieu est là pour payer à tous ceux qui Brother, sont you yourself, travailler. You can see from your eyes that we are in a living work. God is at work. Tout so, ce que tu fais, Dieu voit. You must understand that whatever you do, God sees it. Et tu auras ton salaire. And you will have your reward. D'abord dans ce siècle-ci. First of all, in this present et dans le siècle à venir. And the coming century. La vie éternelle. Eternal life. Personne ne peut voler ta récompense. Nobody can steal your reward. Dieu a engagé la conquête de la nation. God has committed us into the conquest of the nation. Il va bénir toute personne qui se tient avec lui. He will bless anybody who stands by his side. Dans Isaïe. In Isaiah. Il a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? He says, who shall I send and who shall walk Chapitre 6, for verset 8. Me? Chapitre 6, verset 8. Chapter 6, verse 8. Et Isaïe a dit, and Isaiah said, me voici, envoie-moi. Here I am, send me. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, planifie. Nous avons envoyé les missionnaires. Brother, plan. We have just sent our missionaries off. Du coup, le budget mensuel s'élève à combien? 11 millions. And suddenly, the monthly budget raises up to 11 million. Mais le Seigneur va te bénir. But the Lord will bless you. Si ça te dit quelque chose. If he tells you something. Si tu es heureux d'entendre qu'un missionnaire est parti, un ivrogne chronique, quelqu'un qui a bu, il dit, je m'en vais m'asseoir au village, boire et attendre la mort. If you are happy to hear that because a missionary has been sent, a great drunkard has been delivered, tu peux te dire, je veux soutenir l'entreprise. Tell yourself, I will assist the missionary enterprise. Et chaque dirigeant doit aller rappeler aux frères que nous avons envoyé les missionnaires. And every leader should go and recall the brethren that we have sent some missionaries. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous devons être des bons parents. We must be good parents. Que quand on envoie les missionnaires, that when we have sent missionaries, qui ne mangent pas le riz avec l'huile rouge, they should not keep on eating rice with red oil, palm oil. Dieu est avec nous. God is with us. Lis, tu voulais lire. Lis que l'évangile touche les cœurs. Après cela, nous allons nous lever et nous reconsacrer à Dieu. After the reading of the gospel, we'll stand up and consecrate ourselves to God. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. When I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? And I said, here I am, here am I, send me. Tenons-nous debout. Please, let us stand up, please. Le frère est qui est délivré de l'ivrognerie. The brother who has been delivered from drunkenness. Il a dit à Dieu, même au front, je veux me venger. He told God, God, I want to be at the in the front line of the battle. Lui, il est un jeune converti. He is a young convert. Toi, tu es mûr. You are a matured brother. Monte au front toi-même. You yourself go on the front line. Monte au front toi-même. You yourself go to the front line. Et Dieu sera avec toi. And God will be with you. Les morts vont ressusciter. The dead shall ta consécration va ressusciter les morts. To life. Your consecration will get people who are dead to be raised from ta the dead. Ta consécration va faire que les anges descendent dans tes combats.
Your consecration will bring angels to come down in your battles. Quand les petits enfants crient dans un village, when little children cry in a village, et Dieu envoie les anges, and God send angels, si tu as l'intelligence, if you have intelligence, tu as déjà tout compris. You have already understood everything. Tu sais même déjà qui tu es toi-même. You, right now you understand, you know what, who you are. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est la grâce de Dieu. It is the grace of God. De marcher avec Dieu. To walk with God. De crier. To cry. Et il laisse descendre les anges. And God makes, he, avec des témoignages he releases clairs, le his résultat. Angels with clear testimonies and results. Dis-lui, je monte au front. Tell him, I am going to the front line. Je revise tout. I revise everything. Je planifie le progrès. I plan my progress. Prions ensemble. Let's pray together. Hallelujah. 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 Merci Seigneur. Seigneur éternel, Eternal Lord, que nos cris montent vers toi. Let our cries go toward you. Que ta bonne main soit sur chacun. Let your good hand be ordonne le progrès au milieu de nous. Oh God, give progress in our midst. Donne des visions. Give visions. Donne l'intelligence. Give intelligence. Donne la compréhension. Give the comprehension. Donne la contemplation. Give contemplation. Donne l'engagement. Give the commitment. Donne des cœurs fermes. Give strong hearts. Des cœurs résolus. Hearts that are strong. Prends-nous. Take us, Lord. Utilise-nous. Use us, Lord. Nos corps, nos âmes et nos esprits. To our bodies, our souls and our spirits. Et tout ce que nous possédons. In whatever we possess. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Soyez bénis. God bless you.